À Tripoli, la capitale libyenne, des manifestants se sont rassemblés vendredi pour contester la nomination d'un nouveau Premier ministre par le Parlement. Les manifestants ont demandé la dissolution du Parlement siégeant à Tobrouk dans l'est du pays, qui a nommé l'ancien ministre de l'Intérieur Fatih Bachagha en remplacement Abdul Hamid Beyba, actuel Premier ministre qui ne semble pas décidé à céder le pouvoir. Certains militants de la ville de Tripoli et d'autres villes voisines ont accepté de sortir aujourd'hui pour de nombreuses raisons, notamment pour le contournement légal du Parlement de Tobrouk et du Haut Conseil. Cette prise de position est due à l'illégalité de ces lois et à l'illégalité de la présence de ces organes dans le pays. La raison de notre protestation est due au tour que la Chambre des représentants et le Conseil d'État jouent pour prolonger leur séjour. Nous demandons le renversement de ces autorités illégitimes et usurpées. Depuis jeudi, la Libye dispose de deux premiers ministres rivaux. La décision des législateurs basée à l'Est fait craindre un retour aux divisions dans le pays, toujours en attente d'élections parlementaires et présidentielles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, déjà des tirs qui n'ont pas fait de victimes ont visé le convoi d'Abdelhamid Beyba à Tripoli.